Bonjour à tous, c'est Jen Tessua et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest. Alors, du coup la dernière fois, on s'est arrêté ici, genre on allait aller dormir après, mais finalement j'ai XP, j'ai sauvegardé, puis je suis allée dormir pour voir un petit peu me spoiler, mais en fait ça fait rien du tout. On peut s'en aller de l'île complètement. Donc là l'île elle est finie. Je pensais qu'il y aurait un autre truc, mais non en fait ils m'ont... Y a rien eu. Du coup, bah nous, on va retourner dans le présent. Et du coup, on va aller chercher le fragment de tablette qui doit sûrement être présent sur l'île. C'est à chaque fois qu'on finit une île, on va voir l'autre. Alors, enfin, on va la revoir dans le présent. Magie. Ouais, on va quand même se téléporter. Même... Ou à Maylor, hein, comme ça on a le bateau tout près. Et on va découvrir quelle est la nouvelle île, où est-ce qu'elle est, de quel côté, est, ouest, sud-est. Je crois que c'est au-dessus. Hein. Mine de rien, la carte se remplit là. On a fait du bon travail, hein. On a ramené beaucoup d'îles quand même. Alors clairement ils servent à rien mais on est obligé de les battre. Si ça tombe ils vont nous saouler à revenir. Non vous pouvez pas fuir. Oh c'est bête. Un petit poisson ne veut pas que je fouille. Il y a aussi les îles là-bas en blanc, allez voir. Quand je dis ça, qu'on se fait attaquer. Encore. C'est trop bien l'attaque à Raph, là. Enfin, son arme. C'est pas l'attaque, c'est son arme. Oh, le village, il a l'air vide. Là, on a la tour, là-bas. Alors, info, fragment de tablette suivant. Ok, donc il y a un fragment de tablette là-bas. D'abord, on va voir le village. Donc, entre-temps... le village a été détruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Nous avions sauvé la ville, n'est-ce pas? Il faut retourner à Malamphis sur le champ. Je vais voir là, il y a une petite maison là-bas. Faut que j'aille voir. C'est quoi cette petite maison? Ah, c'est la prairie aux monstres. Ok. Donc la prairie aux monstres, on l'a vu dans les premiers épisodes. Enfin, pas le premier, mais dans la dizaine des premiers. Avant de retourner à Malamphis, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on peut y aller quand même? Même si c'est pas le bon futur. Ah, il y a quand même les monstres. Ben oui, on est dans un donjon. Qu'est-ce que tu dis?
Everything changes. Yes. Alors, est-ce qu'il y a un toit? Attends, non, on va faire évac. Très bien. Maintenant, téléportation, sanctuaire des mystères. Alors, caractéristiques, c'est bon, on n'est pas au niveau max. Ah non, 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 je voulais pas faire ça. Allez, dépêche-toi, bidule. La houle Malampisse, c'est ça. C'était celle-là, Malampisse. On se tape encore des combats. Ils font pas mal de dégâts quand même. Ils sont pas très très forts mais... Voilà, allez, oust, du balai. N'a pas que ça à faire. De quoi donc dans le passé, il n'y a pas la petite maison dessus. C'est pas le temps de me soigner. Ah! Au secours! Est-ce que tu peux me soigner même si c'est la guerre dehors? Non, tu veux pas. Bon, à mon avis, toi, une méga flamme, ça va te faire du mal, non? Aïe, mais ça fait mal! Prends-toi ça! Oh, comment je suis trop contente! Il a appris coup miraculeux, art magicien, c'est trop bien. Tu veux pas me soigner en fait? Fuck moi, d'accord. Toi, lui il se barre tranquille. Moi je me suis pas soignée. Alors, du coup, on va attaquer coup miraculeux, multi-soin. Maintenant, pas super bang, un truc de flamme. Aïe! Très bien. On va aller dans le puits, vu que les ronces sortent du sol et le seul endroit où
Souterrain, c'est par le puits. Pourquoi est-ce qu'on tombe sur Comment j'esquive le truc? Oh, mais dis donc, toi, t'es un nouveau monstre. Je t'ai jamais vu, mais c'est pas pour autant que je vais t'affronter. Bon, on va peut-être aller par là parce que. Ouais, je crois que c'est le bon chemin, hein, ça. Alors, c'est un piège. Ah, mais du coup, il y a peut-être un coffre de l'autre côté. Du coup, on va aller de l'autre côté. Non, 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 mais il y en avait un dans la porte. En plus, lui, il est bien caché dans la porte. Hein. On va pas utiliser les PM. On va en avoir besoin pour lancer le méga flamme de la mort qui tue. D'autant plus qu'ils font pas beaucoup de dégâts. Mais non, c'était un traquenard. J'aurais dû pas revenir sur mes pas. Est-ce qu'on aurait pu attendre qu'elle s'enfuit ou pas? Raph, lui, il peut attaquer la femme de toute façon. Mais... Arrête de me taper aussi fort, s'il te plaît. C'est le relou. Oh là là, le méga souterrain. Hop, on passait hop là-dedans dans le trou. Alors, y aura-t-il un coffre cette fois-ci ou pas? Non, pas toi. Je peux pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter. Est-ce qu'on peut fuir? Oh non! Vous voulez que je vous aide, vous, à attaquer mes compatriotes, là? Oh non! Il a balancé un gros sort, petit. Non, si t'es tué, allez tuer quelqu'un. Sinon, il y a des coffres dans ce donjon ou c'est juste pour me faire perdre du temps? Non, je crois que c'est pour me faire perdre du temps. Hein. Putain, mais il me suit longtemps, lui. Il suit longtemps là, à l'ombre là. C'était sûr. Mais punaise, mais jamais on va fuir un combat là. J'aime pas lui. Voilà. Je vous rassure, c'était plus rapide de faire ça que de combattre. Non, mais non, mais non, mais non. Est-ce qu'on va tenter de voir s'il y a des coffres? Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du coup. Dans le trou! Il y a un coffre! Comment je ris jaune si c'est un monstre coffre? Une cuirasse de haine. Attends, ça a l'air d'être un truc maudit, hein. Cette arme cache bien son pouvoir. Ouais. Ça veut tout dire, ça. Mets-le pas, sinon t'es maudit.
très bien. Très bien. J'aimerais bien aller battre le boss aujourd'hui. Je pense que nous sommes obligés de le battre. T'as pas super flamme, toi? Non, ça sert à rien. Ben, j'ai oublié de regarder les PV de tout le monde et sur Gauvin, il a absolument plus de PV. Heureusement, on arrive à le battre sans peine. Putain, mais ça devrait être interdit, là. Yes. Je suis pas revenue en arrière, là. Ouais, c'est ça, va en avant, oublie-moi, je ne suis pas là. D'accord. Bah, j'étais obligée d'aller là-bas, du coup, je me fais avoir. On en aura des combats dans cet épisode. Par contre, lui, il est rapide. Ouais, 10 de dégâts, ça va, c'est pas énorme. Yes! Je suis fou. Ah, mais c'est pas vrai, quoi! Bon, allez, on va le battre. Ah, c'est bien l'attaque régénérescente de Tetsuya. Ah, quoi? Mais... juste comme ça? Aussi peu de dégâts? Voilà le boss. On n'a pas beaucoup de PM. Ça va le faire. Alors, déjà, toi, tu vas me lancer un putain de méga flamme. Ah, d'accord. Non, ils sont méga beaucoup. Attends, méga crame. Mais normalement, méga crame, c'est sur tout le monde, là. Méga tornade aussi. Giga glace. Mais je rigole, ça fait rien du tout. Ouais, tiens, racine. Est-ce qu'elle repousse les racines? Parce que si elle repousse, ça va m'embêter. On va quand même faire des soins partiels sur Maribel parce qu'on peut pas perdre notre vie. Ah, c'était quoi cette brume? Yes. Alors toi, lance encore ton méga flamme. Attaque, attaque, attaque. Ah oui, il était aveuglé. Calme-toi, s'il te plaît. Non, pas multi. Soin complet, parce que soin partiel, ça sera pas assez fort. Super flamme, et toi, attaque normale. Peut-être tu vas l'endormir. Hein. Non. Ah, c'est bon, elle a pas attaqué. Il est plus rapide que... mais je te lance des 200 dégâts et tu meurs pas là, c'est oufissime. Je suis désolée, mais il faut que je fasse un méga truc de... ah, elle a que super... ah, méga crame peut-être.
toi, sort de défense pour Raph. Quoi déjà? Toi, j'étais prête à faire un combat qui durerait une éternité là, j'étais chaude et tout. Fragment vert. T'as jeté à fond et puis... Voilà. Ben voilà, on l'a battu la ronce, donc le village est sauvé. Attends, attends, attends. On est des connaisseurs, on va faire un petit évac. Sachant qu'on a eu le seul coffre disponible. Ah, vous voici, vous avez tant fait pour nous. Je tiens à vous remercier pour tout, mais je ne sais même pas par où commencer. Vous avez mis un terme à l'horreur et à la malchance qui s'acharnait sur cette ville. Un futur de paix et de prospérité s'ouvre à nous, je le sais. Revenez nous voir bientôt, les habitants de notre ville travailleront main dans la main pour se construire un avenir radieux. J'en suis convaincue. Ouais, bah du coup, je vais me soigner parce que là... Ça vous tente sans payer? Ben oui, moi ça me tente hein, dormir à l'auberge sans payer. Merci. Alors, on va voir du coup si on peut acheter un truc. Enfin. Est-ce un vendeur d'armes ou d'armure ou c'est juste un blanc bec qui parle, c'est tout? Alors, bah, on va retourner dans le présent. Ouais, c'est ça, parce qu'on est dans le passé. On va en profiter pour changer la classe de Tetsuya et retourner voir la ville. Parce que Tetsuya, oui, pas la... C'est pas paladin, c'est quoi qu'il est lui? Art magicien, oui. Niveau max, du coup il lui faut une autre classe au niveau max. Sinon art magicien c'est une bonne classe. Alors, caractéristiques, donc les autres, bah, je suis sûre qu'au prochain épisode, Sir Gauvin va passer au niveau supérieur de classe, bien entendu. Alors, téléportation. Donc, on a débloqué Madame Fils. Mais on va d'abord à l'abeille des vocations. On devrait avoir une classe intéressante à me donner. Alors, paladin, oh gladiateur, ben oui, ressemble à un ninja comme ça. Non, pas encore. Malempis, allez, go! C'est une blague! Y'a rien qui a changé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible! Il répète pas ce qu'il avait dit la dernière fois. C'est très étrange. Comment cela a-t-il pu se reproduire? On a battu cet horrible truc. J'ai cru qu'elle allait dire tru. Carnivore, pas vrai. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Il faut retourner à Malemphis sur le champ. Oui, madame.
pourquoi je vais directement au sanctuaire des mystères? Allez, on y va. On coupera juste après si on peut sauvegarder. Si on peut pas, épisode d'une heure. Alors, choisir les piédestaux. Oui, le... Attends, j'ai des trucs transportés, là. Non, c'est pas grave. Après, on ira sur une île verte. Voilà, j'ai choisi ce vert. Ils sont rapides ces machins électriques là. Ok, donc quand on rentre, on nous interpelle pas. Et bien du coup, on a de l'île, c'est fantastique. Moi je vais aller sauvegarder à l'église et je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode de Dragon Quest. D'ici là, portez-vous bien.